Et les chocobos! Et coucou Zaryman, coucou YouTube, on est toujours sur God of War, Ragnarok, toujours. On avance doucement mais sûrement. En notre temps, j'ai Elios pour la Battle Royale. GG. Alors, du coup, on devait prendre la porte mystique. On a le corbeau à aller chercher. Donc déjà, on va aller chercher le corbeau. Le coffre. T'es dégoté de nouvelles formules. Brock, la fée que tu connaissais était-elle... Je t'arrête tout de suite, mon grand. Trahir la confiance des gens, c'est pas dans mes habitudes. Même s'ils sont plus de ce monde. Est-ce que tu m'entends crier tes secrets sur tous les toits? Non, parce qu'un forgeron, ça forge, ça jacasse pas. Et c'est comme ça. On a fait pas mal d'argent. C'est peut-être les chasses au trésor qui rapportent. Je sais pas ce qu'ils rapportent. On avait plus que 300 balles et là on a 50 000. Je sais pas ce qui m'a donné autant. Déjà il faut ça. Ensuite il faudrait que j'améliore mon armure parce qu'on a un peu mal aux fesses à chaque fois. Les armures en général, 15 000, vous voyez, ça me coûte 15 000. Celle-là, elle est niveau... Attends, celle-là, elle est niveau 5. Pas mon armure. 6, 6. Celle-là d'abord. La vache, je suis beau ou pas? Erreur raid. J'espère que tu te sens remonté. Il me faut voir mes armes. Ah oh, mais ce bug. Regardez ce bug. Je vois pas l'arme. Moi je choisis au skin. Celui-là est pas mal aussi. Celui de base. Ah non, celui de base c'est ça. Après, je joue pas vraiment H, donc bon. C'est l'arme que j'aime le moins. On a celle-là. Celles-là sont quand même moins jolies. On va rester sur ça. Là depuis tout à l'heure j'ai quand même des décalages de... Tu sais quand j'appuie sur une attaque ça met quand même 3 secondes avant de se lancer. Alors en soi c'est pas trop dérangeant mais quand t'es sur un boss où ça se joue à, tu vois, à pas grand chose à chaque fois. Ou alors si t'as 3 secondes de délai bah c'est la merde. Tu prends le coup à chaque fois. C'est pas beau du tout là.
le niveau max c'est 9. Aïe. En plus, moi, vous savez à quel point j'aime bien collectionner, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Des corbeaux. Ceux que nous détruisons. Je peux même pas faire toutes les armes. Des espions d'Odin. Nos âmes transformées. Nos esprits préservés. Puis c'est de là. On va le trouver. Et un plus. Privé de nos vies. L'attaque runique. Ah ouais, elle c'est du dégât pur quoi. Oui, c'est ça. Voilà la nouvelle. Année au fléau. Jusqu'à notre capture. Par la capture. 38, il nous faut. Une acolyte d'Odin, très discrète, chargée de ses plus viles missions. Par la capture. Je n'ai jamais rencontré. Je sens qu'on va devoir la tuer, celle-là. Ça me fait encore tout bizarre de vous voir rabibocher. Brock. Tu leur ajoutes une couche. Alors, par quoi allons-nous aller? Ça, c'est les yeux d'Odin. Là, il y a la quête principale. Là, il y a le sanctuaire elfique. Bon, là, on a le creuset, mais je crois qu'on peut pas pour le moment. Oh, si, on peut y aller maintenant? On peut y aller. Bien. Voyons donc dans quel trou de Muspelheim mène cette crête. Pas trop le creuser, rien qu'au mot, mais on va voir. Depuis quand on peut y aller ici? Alors on cherche la bagarre, hein? J'étais sûr et certain que vous ne résisteriez pas à l'appel de ces épreuves de combat. Ça par exemple, la graine nous a bien mené au gantelet de Surt. Que sais-tu de ces épreuves? Oh, c'est juste une série de défis brutaux et sanglants typiques de Muspelheim. On raconte que c'est comme ça que Surt se maintient en forme. Mais moi, je crois qu'il aime les jeux de massacre tout autant que nous. Une fleur. J'adore, il y a une quête secondaire qui est là. Un pétale cendré. Parce que maintenant, on a une nouvelle quête de ramasser des putains de fleurs. Du coup, on doit refaire tous les royaumes. Et c'est génial, hein. FNR. Un coffre. FNR. C'est foutu comment, ici? Là, il y a l'épreuve du creuset. Là, il y a quoi? Là, il y a le F. J'ai déjà vu une épée comme celle-ci. Ouais, je le sens pas non plus. Des défis de combat. Ça me rappelle quelque chose, ça.
On essaye ou pas? À mon avis, je vais me faire dézinguer. Mais on peut essayer si vous avez envie. Vous voulez qu'on essaye ou pas les chocobos? Vous préférez qu'on aille sur une autre planète? Notre monde. Les préférences. T'adores ou quoi? Même si vous me dites non, c'est pas grave, hein. Répondez. Ou même un je sais pas. Tant mieux que de me prendre des vents. Simba Red. Merci Xigza. Je me sens moins seul d'un coup. Parti. Un de ces défis t'attire plus qu'un autre? Éliminer tous les ennemis dans le temps d'un parti. Et de subir des dégâts. C'est chauffé, mais ça change rien, c'est chauffé. Ils arrivent! Si on n'y arrive pas dans l'échauffement et qu'après on n'y arrive plus. Pour moi, ça me fait meilleur rang aussi. Ok, je vais le... Tu brûles, Kratos. Ça passera. Yalpa. Elle est où? Un projectile! Quoi? Je vais renvoyer. Ma mort n'arrive vers toi! Ah, ce défi, il est... ça va. Rogueur sur la gauche. Quelle gauche? Yalpha. Je repasse avec ça. Attention à droite! Ouais, il y en a partout, j'ai compris. Il prend rien lui, il remet sa vie.
Je crois qu'il y en a un qui remet la vie aux autres, mais... Ah non, mais c'est Noken. Ah putain, je vais mourir en allant sur la Noken. Ah putain. Ah bah sérieusement, allez où? Je vais pas m'occuper de la Noken et en même temps m'occuper de... Ah, on a échoué. Putain, mais fallait la voir, elle était loin. Vous voyez que dalle. Saloperie de Noken, quoi. Ah, ça fait chier parce qu'on était bien parti. À toi de choisir. S'il n'y avait pas eu la Noken, c'était bon, mais je la voyais pas, elle était cachée. En plus, quoi, tu dois faire vite, t'as pas trop le temps de regarder les détails des ennemis, quoi. Au-dessus, attention. Et bah, au-dessus, ouais. Bon débarras. Eh bah... Occupe-toi celle là-haut, mais je vis celle là-haut. Calme-toi. Et je tire au-dessus. Oh là là, mais... Je vise celle de là-haut, mais elle tire sur ce rond-bas, quoi, alors c'est une archère. Putain, mais elle tire sur celle là-haut. Ce morne te fonce dessus. On a la visée de Pokémon ou quoi, ce Pokémon là. Je vous jure, hein. Quand le jeu nous fait du Pokémon, hein. Bon, elle est où la Noken? Je crois que c'est là, non? Est apparu. Ah, je l'ai eu. Oh bordel. Oh bordel. Au début tu te dis c'est bon, il y a le temps, mais non, ils te mettent une putain de Noken. Nous avons relevé le défi, mais nous n'avons pas encore tout vu. Y aura-t-il d'autres arènes? Oh bordel. Oh, cette nouvelle armure. Pour la jauge de compétence de permafrost, d'immolation ou de maelstrom et charge au maximum, Kratos obtient un bouclier. Et elle est moins jolie que celle-là. Eh eh. Et ouais, pour le moment, la elle seule, c'est la plus belle. La corbeau avait l'air pas mal jusqu'à ce que j'ai le torse. Je ne veux pas de torse fermé parce que ça fait moche sur Kratos. Je sais pas, on dirait qu'on l'étrangle, qu'on l'étripe. Enfin, il a l'air... Comme un monsieur saucisson. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a l'air serré, pas bien, en train de crever sur place.
Je me souviens pas, mais il me semble que j'avais continué. Ah si si, j'avais... Alors les quêtes, je sais plus. Mais je pense que oui, mais à la recherche, j'avais continué après avoir fini le jeu, donc oui. Je dois faire quoi? Ah non, mais pour avoir le F, faut que je fasse l'autre aussi. Un petit échauffement avant de faire ton choix. Je sais pas si je vais arriver, intouchable. Oh, c'est des ennemis qui explosent. Parce que souvent il y en a qui arrivent derrière, voilà. Derrière toi. Et bah. Ah oh, ok. Alors on prendra. Derrière moi. Je peux pas m'occuper de. Les autres. Alpha. Un là. Attention à ses cornes. Oh merde. Je peux pas prendre trop de risques. Alpha. Ça va, y a pas de temps au moins. Attention, dans les airs. Mais il m'a pas touché, c'est mon bouclier. Ah parce que même le bouclier ça compte pas. Oh mais ils abusent. Moi toucher c'est toucher quoi, tu prends les dégâts. Aujourd'hui. Allez. Oh non mais foutage de gueule hein. Tiens pas. Et là ça compte. Et là j'ai pris un coup de bouclier. Et moi. Attention. Un autre cauchemar sur la gauche. À gauche ou ma gauche? Recule.
que j'étais en animation. Bon, laissez tomber, ça me gonfle. Je suis en animation et ça considère toucher quoi. C'est chaud quoi. En animation théoriquement ça, y a rien qui peut te. C'est le principe de l'ulti et tout. Et là c'est quoi N? Moi je vais essayer de faire qu'un creuset par jour. Les ennemis se remettent plus vite de. Au pire j'en fais un par jour. Pour pas que ça soit trop chiant, vous voyez ce que je veux dire. S'il y en a que 6, ça va. Par contre, si après il y en a d'autres, ça va me saouler. Je trouve que c'est déjà pas évident et là, ils abusent sur des petites. J'étais en pleine animation, mais du coup, on peut pas du. On peut rien faire, c'est même pas. Là, on a R. Ta reine, elle a l'air casse-couille. Comment elle est faite? Ouais, une par jour, ça va être très bien. Moi, je joue pas pour la difficulté, moi, je joue. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? On a vu, hein. J'ai le sillon en nage. Il y a de la lave partout. Pourquoi il fait chaud ici? Bah, je sais pas. Je me demande. J'ai des petits doutes. Je me pose la question. Quel creuset qui est insupportable. Il y a Alfheim. Mais Alfheim, en fait, j'ai un. Je sais pas si on va pouvoir y aller. C'est là qu'il faut aller. Mais la porte était fermée. Mais on peut aller jeter un œil. Voir. J'aime pas les elfes. Alfheim, qu'y a-t-il là-bas? Il nous reste beaucoup à faire là-bas. Nous avons trouvé une Avgoufa dans les terres brûlées, madame. Elle souffrait terriblement. Nous l'avons libérée, mais une autre est toujours prisonnière sous les sables défendus. Une Avgoufa? Oh, je n'en avais pas vu depuis mon enfance. Que reste-t-il? Reste la bibliothèque elfique secrète d'Alfheim. Passe devant. Déjà devant. Passe devant, on est devant. Fais ton codage, Zexa, tu t'en sors. Tu as pu forger. Donc, j'imagine que toi, que t'es bien calé, donc ça va. Que Brock me raconte ce qui s'est passé. Je vais faire comme si je n'avais jamais été là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, mais si avant il y avait d'autres trucs. Mais il y a deux noms découverts, donc En fait, les noms découverts. C'est pas vous allez aller voir et vous allez les trouver. En général, alors, sauf peut-être des fois, mais j'ai remarqué qu'en général, non découvert, c'est par exemple des fois, il faut trouver une carte au trésor quelque part pour après pouvoir faire le trésor. Et là, ce sera plus en non découvert, mais en mode trésor enfui, vous voyez. Donc en général, quand il y a non découvert, pour le moment, j'y vais pas spécialement. Bon, il y a un coffre d'énormes, mais quand on va y retourner. Parce que si ça se trouve ici, je vais trouver une carte au trésor qui va me renvoyer là-bas, vous voyez ce que je veux dire? J'ai remarqué ça et ça m'énerve de devoir faire des allers-retours, donc là on a la pierre tombale. Et nous, là où on va aller, c'est là. Je peux pas mettre un marqueur... On peut pas mettre de marque. Je vais mettre un marqueur là pour savoir le sens, mais on peut pas mettre de marqueur où on veut. Ah, c'est cool ça, Red, s'il y en a qui sont assez réactifs. Moi aussi j'essaie d'être rapide quand il y a... qui viennent pour spoil. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Bon, en général, le problème, c'est que la personne qui ban se fait spoil, du coup. Moi, ça évite d'autres...
Autre spoil. Alors. Voilà. Étance de. On va voir si on peut. Hein. Ça se trouve, on peut pas le faire. Et du coup, il faudra aller sur la quête principale. Je me suis toujours demandé que s'est-il passé pour qu'à peine arrivé en ce royaume, Freyr soit vénéré de la sorte. Eh bien, pour commencer, ce n'était pas son premier séjour. Bien peu de gens le savent, mais Freyr fut l'un des tout premiers à se rendre au royaume d'Alfheim, à l'aube des voyages entre royaumes. Oh, avant ma propre arrivée, donc. Continue. Nous avons longtemps cru que tous les géants avaient péri dans le raz-de-marée, jusqu'à ce que l'une d'entre eux se montre à Vanaheim. Elle se nommait Gurs, et elle venait pour nous apprendre à voyager entre les royaumes à l'aide de la lumière vive. Ah, c'est ici qu'il est ma méduse. Freyr est immédiatement tombé sous son charme. Lui qui depuis toujours aspirait à errer, rencontrait enfin quelqu'un qui pouvait lui montrer comment. Ensemble, ils explorèrent alors chaque branche, chaque racine de l'arbre monde. Mais un beau jour, Gurs décida qu'il était temps pour elle de partir. Le cœur brisé, Freyr se mit en quête d'exploits à accomplir afin de la reconquérir. Pris au piège de son ambition démesurée, il décida qu'il deviendrait le premier à découvrir l'insaisissable source de la lumière de Bifrost. Et il a réussi, plus ou moins par accident. Mon frère pensait qu'inhaler un puissant mélange d'herbes vannes faisait de lui un meilleur explorateur. Quand il décidait d'errer, il ne faisait pas semblant. Et il réussit la performance de passer directement de l'arbre-monde au lac des âmes. Les elfes n'avaient jamais vu qui que ce soit sortir du lac auparavant. Il n'est donc pas passé inaperçu. Oh, j'aurais adoré voir ça. Pour la suite, je ne saurais dire s'il a joué de ses charmes ou s'ils l'ont simplement pris pour une grande divinité. Toujours est-il qu'il n'était pas venu à Alfheim en quête de responsabilité. Alors, il ne s'y est pas attardé. Toujours est-il que la légende de sa venue a été transmise à travers les âges. Elle a même survécu à la grande division, chez les elfes noirs comme chez les elfes blancs. Eh ben. Lorsqu'il est enfin revenu, il était le seul à pouvoir gagner la confiance des deux camps et aider à instaurer une trêve. Le problème, c'est qu'il était le seul à qui les deux camps faisaient confiance. La paix ne pouvait durer que s'il restait pour la préserver. Et avec la perspective de la grande guerre qui s'éternisait, la simple notion de paix devait lui paraître irrésistible. Même si cela impliquait qu'il allait devoir régner. Alors, quand même des connaissances qu'on n'a pas trouvées. Peut-être avec la lance qu'il faut planter quelque part. Parce qu'il me semble qu'ici il y avait plusieurs endroits où j'avais vu qu'il fallait la lance. Et me souvenir comme ça. Un peu compliqué. C'est pas évident quand tu dois refaire les endroits parce que comme tu peux pas te mettre de marqueur, c'est assez chiant. Pour moi, c'est un truc un peu basique, tu vois, surtout sur un triple A de pouvoir se mettre des marqueurs. Surtout quand il y a de la recherche et de l'exploration. Les gens peuvent pas tout retenir. Et ont pas forcément envie d'utiliser tout le temps un truc sur internet, quoi. C'est un peu dommage. Cette poignée réclame un combat que cette tombe fournira. Attends, il y a ça aussi. Peut-être ça qu'on n'a pas trouvé la connaissance. Grâce à l'hypocrisie grotesque de nos opposants, les Gulons d'Alfheim représentent une menace pour nos moyens de subsistance. J'en ai abattu un grand nombre à la surface, mais je ne doute pas qu'il en reste bien plus sous terre, dans les taudis des elfes noirs. Tant que nous les empêcherons d'accéder à notre lumière, les deux spécimens à l'entrée du désert resteront les seuls représentants dociles de leur maudite race. Ils vivent, ils feront de parfaits cobayes pour nos expériences sur l'injection de lumière. C'était bien ça. Là on a un truc Franchement, les pierres tombales, elles font trop mal. Pour le moment, j'avoue que j'ai pas trop la foi. Elles font super mal. On verra plus par la suite, je pense.
ça qui me manquait. Ok, on va pouvoir aller à la porte. Bon bah, on l'a trouvé facilement. Je sais pas comment j'ai fait pour le louper. Sûrement tellement en train d'admirer la Méduse. Oh là, il y a un coffre. Bon, alors je suis pas venue dans ce coin là parce que... Vous en pensez, la Méduse elle est magnifique. Elle est partie. Oula, elle est là. C'est une quête secondaire. Et franchement, c'est ma quête préférée du jeu. Vraiment, c'est ma quête préférée du jeu et c'est l'endroit que je préfère parce qu'elle est magnifique. Bon, certes, ça donne un peu froid d'être ici, hein. Désolé. Prenez le café, cola chaud, et la couette. Mais c'est ma quête préférée. Moi, dans pas mal de jeux. Le sable est en grande partie retombé, mais une autre tempête fait rage au-delà de cette passe. Ce qui signifie... Une autre Avgoufa. Ah, c'est ça, c'est une Avgoufa. Ça s'appelle une Avgoufa. Donc c'est-à-dire qu'il y en a une autre à sauver. C'est ça qu'elle vient de sous-entendre. C'est vrai que souvent, sur ce genre de jeu, ce que je voulais dire, c'est que... les quêtes secondaires, des fois, sont... on laisse de magnifiques souvenirs plus que les quêtes principales. Un nucléos sauvage apparaît. On dirait que les elfes blancs ont scellé cette partie des terres brûlées. Pourquoi ? Nous voyageons aux côtés d'une déesse qui a amélioré notre burin magique et pouvons dès lors la déceler. Ma foi, c'est une sacrée chance. Les sables défendus sont de l'autre côté. Un territoire contesté, à en croire Bayla. Et une autre tempête à affronter. Faudra peut-être prendre les chiens. Région... Njarta. On a débloqué... Donnez-moi ma carte. On a le sanctuaire elfique. Je crois que je vais mettre ça comme. Et rubrique ça. Comme on a fini la quête de rébellion. Freyer et moi avons visité ce royaume lorsque nous étions enfants. Le désert était alors sain et plein de vie. Je ne peux m'empêcher de craindre que ce temps soit révolu et que nos efforts ici soient vains. Une crainte justifiée. Il faudra bien plus que le chant d'une paire de Avgoufa pour soigner ces terres. Cela dit, je suis persuadé qu'à long terme, nos actes bénéficieront à Alfheim. Un truc qui s'est activé là ? Tendu un ting ! Quanto, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ah, tranquillou, tranquillou. On avance doucement, doucement. Les sables défendus. Père Atreus. Dis, nous devrions commencer à chercher un passage souterrain. Ouvrez l'œil pour trouver une grotte. Le chant des sables, commencez. Une grotte à trouver dans le coin. Je vois une entrée. C'est là, t'es sûr? Sauver toutes les Avgoufa du monde. Je me demande s'il mesure à quel point son royaume est tombé en déliquescence en son absence. Oui, même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le chant des sables est un privilège rare. Lorsque cet Avgoufa sera libre, elles formeront un duo. Oh, ça sera magnifique, puis ils auront plein de bébés, ça sera encore plus magnifique. Faut espérer que ce soit une femelle. Sinon on est foutu. Oh, regardez! Oh, elle est trop belle! Elle ouvre ses ailes. Je vais pas se mettre accroupie, je vais pas la déranger. Oh, elle est magnifique. Ah, il y en a une autre là. Aboie-moi.
pas là. Pas vous déranger. T'as peur aux chauves-souris, toi. Pas là. Faire dodo, ou faire votre toilette. Cette architecture, ce n'est pas celle. C'est trop beau de voir une chauve-souris faire sa toilette. Tout indique qu'une colonie abandonnée d'anciens, bâtie bien avant la création du puits de lumière. On est vu aux zoos. Encore de la substance elfique. C'est comme les chats. Ils donc probablement elles font comme les chats pour faire leur toilette. C'est trop mignon. Vraiment comme les chats, quoi. Oh, je vous dis pas version chauve-souris, comme c'est encore plus mignon. Il y a deux chemins là. J'aime pas trop trop ça. Il fait. Y a qu'un chemin. J'aime bien quand y a qu'un chemin au final parce que sinon on se perd. Là-haut. Ah, y a un cadavre. Il donne pas de pognon lui. En bas y a des trucs et là y a quoi? Ah, y a du pognon. Ouais. Ah, un coffre. Et un raccourci à l'entrée. De toute beauté. Ce type de substance elfique est donc sensible au son. Étrange. Ok, ça s'ouvre première classe. Il fait au pif, hein, je connaissais pas. Oh, regardez, y'en a une autre! Ah, trop mignonne! Les dérange les pauvres. Oh, ça va, la papoule. Ah non, c'est pas ça. C'était la même? Ah ouais, c'était la même. Quand je vous ai conduit ici, j'ai pensé que l'absence de lumière d'Alfheim était une anomalie. Je ne réalisais pas qu'elle était recouverte de substances elfiques. Oui, et pour les elfes noirs, l'anomalie est cette colonne de lumière au centre du temple. Quoique comme certaines de ces surfaces sont anciennes. Bien plus que le puits de lumière, ou même que notre pauvre Avgoufa. Voilà une perspective bien empathique, Mimir. Oui, si tu te baladais accroché à un divin postérieur musclé, tu chercherais toi aussi à explorer de nouvelles perspectives. Ça me rappelle la conversation avec le petit. Mais pourquoi tu mets pas Mimir devant? C'était quoi qu'ils avaient sorti? Il y avait comme un... un problème. D'ordre masculin. C'était trop. Oh, Mimir, quand même. Il peut pas mettre dans le dos parce qu'il a ses armes, c'est dangereux. C'est vrai que c'est le seul endroit où il peut. Attends, mais on est où là? Un vrai labyrinthe. Celui-là, je l'ai fait. Ouais, celui-là, c'est celui d'avant, ok. Les conversations de ce jeu, tu encore de la surface, mais plus dense. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Pour ma hache, j'imagine. Ouais. J'aime pas les trucs avec la hache. Voilà, le tour est joué. J'aime pas du tout ce nouveau truc. Je crois pas qu'il y avait ça dans le 1. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Ennemi derrière toi, Kratos. Non, j'avais un coffre, oh, putain. Ah, mais c'est juste ça. Skialfa. Oh, mais y'a un nid ou quoi? Des ennemis sont à gauche. Oh, y'a un nid.
Oh, y a un nid, vous pouvez en tuer autant que vous voulez. C'est la merde. Et il faut exprès pour pas pour qu'on oublie après qu'il y a un coffre. Ils sont fourbes. Et on va mettre un nid là, comme ça ils peuvent pas récupérer le coffre. Après ils avancent, ils oublient le coffre. Ils sont niqués. Je suis sûr que c'est ça. Ils sont fourbes. C'est quoi ces trucs? Il y a des chauves-souris. Ah non. On peut les tuer alors. Derrière toi mon frère. Quelqu'un qui me vomit dessus. J'ai un défi de mettre des coups de pied, mais oh, je sais pas comment. Oh. Un autre sur ta gauche. Des elfes blancs. C'est pas comme ça que je voulais faire, je vais lancer ça. Je crois que c'est comme ça. On met des coups de poing, des coups de pied, non? Je sais pas trop. Je sais pas comment on met des coups de pied dans le jeu. J'aurais bien aimé faire le défi, mais. Je trouve plus. Et derrière, devant, on sait pas, on comprend rien. Théo, ils sont où? Là, prends-toi une pierre. Voilà. Alpha. Bon, je crois que les elfes blancs s'aventurent rarement sous les terres brûlées. Les territoires d'Alpha changent souvent de main. Pas trouvé comment on mettait des coups de pied dans les. Hein. A mentionné que ces ruines ont une importance historique aux yeux des elfes blancs. Je suppose qu'ils sont là pour les préserver des intrus. Eh bien, au moins ils auront essayé. Alors, qu'avons-nous là? Le trésor et une phrase. Je doute que le cadavre en bas soit d'accord. Il a écrit quoi? Nul sacrifice n'est vain, incorgit sous ce message. Je me demande si le pauvre homme l'a tracé avant de rendre l'âme, ou si son meurtrier l'a crié après avoir accompli son méfait. Ah. Coucou Fuligi, coucou les arrivants, installez-vous. Un vrai bordel ici. Hein. Pas loupé de coffre, j'ai pas l'impression. Non, c'est juste... Ah, c'était plus pour le combat en fait. Et t'as vu toi? Y'a le rat ou l'inscription? Ouais, j'essaie de voir si toujours s'il y a pas un truc caché. Désolé hein, pour mes retours un peu partout. Et des fois ils sont tellement fourbes alors hein, c'est un peu chiant. Et pourquoi je... Ah.
Peut-être qu'on peut pas encore. Regarde. Cette substance n'aime pas le sang, tu te souviens? Bien vu. Continuons, d'accord? Est-ce que... Hein? Je peux pas. Mais comment on fait le truc de là-haut? On va dire que c'est après parce que ouais, je vois pas trop. Y'a plein de chauves-souris! Elles volent de partout, elles sont trop mimi. Oh, c'est bon, c'est mon endroit préféré en fait. On reste là, on bouge plus et on regarde voler les chauves-souris. Je vais mettre 40 heures de plus sur le jeu parce que... Oh bordel, je suis en train de regarder les chauves-souris, c'est pas le moment. Ah ouais, il est tombé dans le vide. Ah, génial, hein. Ça l'a pas touché. Je vais pas venir à... Bon, je suis obligé de monter. Non mais elle est sérieuse, je la fais tirer sur lui, elle a tiré à mes pieds. Ennemi, flanc gauche. Je veux changer de partenaire de... De combat. Reprends-toi mon frère, on peut le faire. Encore une fois, mon truc a pas marché. Alors, je comprends pas. Des fois, mes attaques, elles peuvent pas sortir. Il y a rien à faire. J'espère que libérer ces Avroufas leur permettra de se reproduire à nouveau. Autrefois, leur chant résonnait dans le ciel d'Alfheim. Je sais pas, j'ai un décalage ou il y a un... Je comprends pas avec la lance. C'est sans doute à cause du manque de lumière qu'elles ont atteint cette taille démesurée. À quoi bon faire des enfants s'il n'y a pas de quoi les nourrir ensuite? Elles voulaient protéger leurs petits d'un monde inhospitalier. Je peux le comprendre. Parler de qui? Moi, je suis encore sur le combat, là. En train de réfléchir pourquoi j'arrivais pas à lancer le truc. Parce que j'étais comme ça. Pourquoi on peut pas? Pas en fait. Oh, j'ai déjà réussi à le faire par le coup. C'est très limité la garde en fait. Hein. Je pense. Pourquoi il y a des trucs. On venait d'en haut? Je ne sais plus d'où on venait. En fait, c'est qu'on peut pas faire ça, mais. Quel est l'intérêt? Pourquoi on n'a pas l'autorisation? Le combat serait beaucoup plus intéressant si on pouvait. Regardez! Ah! Elle est trop mignonne celle-là! Ma préférée. Par contre, le truc qui font des bruits bizarres là, c'est pas une chauve-souris ça. Alors elle est malade hein, parce que. Oh non! Il y en a qu'un? Je pense pas qu'il y en ait qu'un. Ouais. En général, il n'y en a pas qu'un. Ah. Et celui-là est facile. C'est rare d'en avoir un aussi facile. C'est une bonne chose. J'aime quand c'est... Ah non, il y en a un autre là.
elle est là. Ces deux-là comprennent-elles à quel choix elles seront bientôt confrontées? De quel choix parles-tu? Le cycle de vie des Avgoufa. Afin de se reproduire, elles doivent transmettre leur lumière à leurs petits. Et sans lumière, elles mourront. J'imagine qu'en fin de compte, c'est ce que chacun de nous espère. Que notre mort ait un sens. Que nous perdurions à travers nos enfants. Oui. Si j'avais droit à une seconde chance, je sais ce que j'en ferais. Voilà de la pierre de nuit. En gros, celle des bébés, elle meurt. Eh ben, les pauvres. Ok. Alors là-bas, il y a ça. Faut être là-bas. Comment on fait pour avoir ça? J'essaie de voir où faut se mettre pour... Mais là on peut pas. Il y a ça qui bloque. À moins que le miroir il serve aussi pour autre chose. Non. Pas. Vous le voyez l'angle, Chocobo? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui-là. Pas de là-bas. Ah, ou alors il faut que je... Oh, elle est bien cachée celle-là. Bien. Il doit y en avoir une autre. Une autre cachée comme ça. Et où? Aïe aïe aïe, je la vois pas. Il doit y avoir un autre œil qui cache un miroir, mais... C'est tordu là. Mais où? Miroir. Ou alors il faut que je sois de ce côté là. Et je peux pas être ce côté-là. Comment je fais pour aller? Encore, je sais même pas si c'est de ce côté-là. Ça me paraît bizarre qu'on puisse pas de là-bas. Ça a l'air d'être fermé. C'est étrange. Ouais, je pense aussi, hein, ce serait bizarre. Mais à mon avis, c'est un truc caché, comme là, on a vraiment... Il était vraiment foncé. Fallait le voir. Parce que là, en fait... Ah non, ça a enlevé l'autre truc. On pouvait pas tout à l'heure, il y avait un truc entre les deux. Il s'est enlevé quand? Je l'ai pas vu s'enlever le truc. Ou alors c'est peut-être qu'on a cassé les premiers, ça a cassé le truc en même temps. Ah, à mon avis, en fait, c'est une réaction en chaîne. Alors ça casse le truc qui bloque le truc, qui casse le truc qui bloque le truc. Bien joué. Ok. Il est temps de la libérer. Parfait. J'ai pas vu en fait le truc partir. Ah oui, à la surface qu'il faut. Ouais bah ouais c'est ça mais je l'avais pas vu. Comme tout s'enchevêtrait. Mais depuis quand c'est ouvert là? Mais le problème c'est qu'il y a un coffre qu'on n'a pas eu. C'est celui-là qu'on a eu. Ça me sent le piège. Ouais voilà. J'ai pas pris pour une débutante. Derrière toi, regarde. Derrière toi!
Attaque runique puissante. Oh! Mais après, j'aimerais bien faire les trucs de brûlure. Hein. Bon, je pense que je reste là-dessus pour le moment. Utilisé par Freyer pour bien des bénédictions, je présume. C'est pris pour Sherlock Holmes ou quoi? Pipe cérémonielle. Connaissant le tempérament de Frère, je ne peux qu'imaginer qu'elle a souvent servi. Ce n'est pas un reproche. On dit que la flore d'Alfheim se prête particulièrement aux usages récréatifs. Une chose parmi tant d'autres dont Film Bleu Verte a privé le royaume. C'est regrettable. J'aurais été curieux de savoir si ma condition physique actuelle me permettait de profiter des bienfaits psychotropes des plantes d'Alfheim. Bravo Mimir, quoi. On est revenu en arrière, bravo Chucky. À moins que c'était pas là la suite. Ah si. Ouais, je me trompe de chemin. En fait, il y avait un truc tout à l'heure qu'on n'a pas eu. Et je sais pas si là c'était ça ou non. Si, mais c'est à la surface. En fait, c'est fermé là, à la surface, donc. Alors, je suis montée là. En fait, c'est fermé là-haut. Faut enlever des chaînes ou des trucs pour ouvrir et après, elle s'envole. On avait déjà fait la première méduse, je sais. Ces créatures, ça me rappelle une histoire. Vraiment ? Autrefois, un roi ordonna à son forgeron de fabriquer une boîte qui puisse renfermer tous les maux de l'humanité. De Pandore. Comme aucun métal ne pouvait retenir un tel pouvoir, le forgeron utilisa la flamme. Athos. L'histoire est-elle destinée à alléger ma peine? Ce n'est peut-être qu'une histoire pour faire passer le temps. J'apprécie l'intention. Mais... bien... les histoires... Quel est le problème? Eh bien, elle n'apporte pas vraiment de réconfort. C'est vrai. Mimir est meilleur conteur que moi. Allons, mon frère, ne te dénigre pas ainsi. Tu as fait bien des progrès depuis tes premiers récits laconiques. C'est bon. Termine ton histoire. La fille du forgeron était la clé qui déverrouillait la boîte. Il est mort en cherchant à la protéger de ceux qui voulaient l'ouvrir. Eh bien, au moins on peut s'identifier à cette histoire. Quoi, ça fait rien là, il y avait du... À moins que je puisse lancer la hache en étant là. Ah non, c'est qu'il y a un truc là, ok. Ah, je crois que c'était ici que j'avais vu, non? Ah, je sais plus. Bois de pierre. En fait, il y a ça là. Derrière un miroir d'un côté, voilà. Truc pour sortir d'une grotte. Oh, on va péter un mur.
Ça fait des chocs à pic. Et ça, on revient au début. Mais il y avait un coffre légendaire qu'on n'a pas eu. Ça me fait chier. Comment la voir? Alors c'était où la suite? C'était par là. C'est bon, c'était... C'était avant la méduse. Ton sauvage apparaît. Alors celui-là on l'avait eu. On avait pété la voix, la truc. On l'a l'autre. J'étais persuadé que ce serait plus loin mais... Et après ça... Hein. C'était ça en fait que j'arrive pas à péter. Ah mais c'était juste là en fait, c'était tout. Mais je pense qu'il fallait faire l'autre d'abord en fait. On a fait un autre. Peut-être qu'il fallait faire d'abord l'autre. Je sais pas. Parce que tout à l'heure, il me semblait pas voir. Il me semble qu'on avait été voir à gauche et on pouvait. Et comme après, on en déchiquette un là-bas. Là, c'est bon, on a le 100%. Quoi ? Non, il reste un coffre légendaire. Dans le terrier. Quoi ? Mais il est où ? Et ça se voit les coffres légendaires, ils sont brillants. Les blocs et ce passage. Alors là je suis... perplexe. Bon bah si vous le voyez vous me dites. Ah. C'est le seul truc qu'on avait vu passer. Et je pensais que c'était ça qu'on fallait le faire ou... C'est comme mais... Mais c'est chaud. Ah là, il y a un truc. Je pense que c'est ça, mais il faut le faire de là-haut. Ça doit amener à un truc. Parce que, mis à part ça, c'est le seul truc qu'on n'a pas cassé. Et à mon avis, on voit pas le coffre d'ici. Faut y aller pour le. Attends. Vous savez ce que c'est ça? Ah oui. Il y en a un ici. On l'a eu ou pas? Je crois pas, hein. Non, il est encore vivant. Normalement, faut que ça aille dans le dos. Peut-être que c'est pour avoir ça, c'est peut-être pas le coffre les gens. Bordel, ça emmène où ça? Et il est là, le coffre.
coiffe légendaire. Et du coup, on peut avoir aussi la bestiole en même temps. Imagine. On avait fait la bestiole. C'est là maintenant que j'ai reconnu le bruit du truc. Attaque runique. Baiser de L. J'aime pas les tuer, mais... La carte. Et voilà. On a enfin réussi. Bon, on peut ressortir. C'est bon, on est plus vers la fin, donc on va repasser devant la méduse. Pour le coup, aujourd'hui, on a... Je sais pas qu'on aura le temps de faire la principale, mais les secondaires sont cool. Et puis de toute façon, faut qu'on améliore un peu tout notre équipement parce que on se fait un peu on s'est la gueule ces temps. Oh, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était beaucoup beaucoup marave. D'un coup, mais le problème c'est qu'on n'a pas même on... et pourtant tu sais je fouille mais on n'a pas ce qu'il faut pour améliorer. Alors j'imagine pas ceux qui rush, je sais pas comment ils font. Et moi je trouve ça un peu abusé quand justement quand tu cherches à fond en général c'est parce que tu veux aussi être plus tranquille sur la difficulté. Et là, mais c'est pas possible, il y a un problème. Enfin, peur. Ah! Il semblerait que nous ayons abusé de l'hospitalité d'Alpha. Je crois aussi. Mettons fin à cette tempête. Ouh, j'aime pas les elfes, j'aime pas les elfes. On trop mal. J'ai réussi à esquiver tout. C'est tendu avec eux. Qu'ils ont une bonne résistance et tout, mais sur le 1 aussi, c'était un peu ma bête noire. Donc je suppose qu'il vaut mieux avoir la hache pour eux. Ça va être des armes que je joue pas du coup. On va déjà enlever la tempête de sable, on va pas faire la même erreur que la première méduse. Je savais pas que la tempête était liée aux méduses, donc du coup, comment dire... Je me fouillais dans la tempête de neige, c'était assez violent. Et encore, j'ai réussi à trouver pas mal de choses dans la tempête de neige. Y'a rien à... Même en n'y voyant rien, on avait fait pas mal de choses. Donc il faut ça pour la méduse. Ah mais il faut qu'un seul. Bouffa bien. Si mes histoires ne te sont d'aucun réconfort, savoir que tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour la sécurité de ton fils t'aidera peut-être. Même ces créatures en sont conscientes. Un parent n'a jamais vraiment le choix. Tu n'es pas seul. Pas seule, hein. À présent, elles non plus. Elles sont trop belles. Ah, c'est trop beau. C'est incroyable. Ah ouais. Le chant des sables. Hein? Je ne pensais pas pouvoir m'émouvoir réussir. C'est magnifique. Les meilleures quêtes du jeu, celle des méduses. Merci, Kratos. Ces terres chantent à nouveau.
Nous avons aidé. Il y en a une qui est plus petite que l'autre, ça va être la femelle, je pense. C'est peut-être une perspective. Comprenez ce qui se passe. Rien ne nous presse à partir, pas vrai? Vous avez compris ou pas? Quelles autres aventures nous réservent ces nouvelles terres brûlées? Oui, plein de bébés! Elles se sont sacrifiées. Elles ont choisi de faire des bébés. Eh ben, c'est rapide, hein. Oh, eux, ils ont pas... Ils ont pas le temps, hein. Il va y en avoir plein quand ils vont grandir. Par contre, heureusement que j'ai regardé la celle qui était seule voler pendant de longues minutes, parce que maintenant on peut plus le voir par contre. Sauf si à la fin du jeu et les bébés ont grandi. Ça serait cool qu'ils grandissent, peut-être pas en mode adulte, mais au moins qu'ils soient en mode ado, on va dire. Ah, il va y en avoir un paquet. Par contre, si ça c'est une portée, s'ils se mettent tous à faire des bébés, on verra plus le ciel bientôt. Vous imaginez le bordel? Pire que des lapins. Ah bah il y a un corbeau là-bas. Alors on commence par quoi bah? Les verres. Ah merde, je me suis trompé de touche. Je me trompe de touche pour lancer. C'est horrible parce que d'une manette à une autre à chaque fois et d'un jeu à un autre, c'est pas les mêmes. C'est pour ça que des fois je galère. C'est pas du tout les mêmes touches. Une statue de mon frère. Cadeau de frère. Bon, j'espère que vous avez aimé leur dernière danse. C'est vraiment magnifique. Étrange. Les runes sont éteintes. Quel objectif tout cela sert-il? Ce n'est qu'un témoignage de la vanité de mon frère. Difficile à dire sans l'inscription, mais on dirait que les elfes blancs et noirs ont bâti ce lieu ensemble. Ce qui signifie que nous nous trouvons face aux fruits de leur première collaboration depuis des générations. On est loin de la paix éternelle. Mais peut-être est-ce là le but de ce monument? Être le symbole d'une paix qui pourrait advenir. C'est quoi? Ah, on peut bouger? On emmène tout. Où est-ce qu'on emmène ça? Ta 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 ta. Nous, on est constructeur de... Je peux le poser où je veux. Je vais d'abord faire le truc rouge. On peut pas le poser par terre, Freya, là. Oh là là. Mais après, leurs parents, ils avaient pas beaucoup d'idées, hein. Frère et Freya. Bordel. À un moment donné... Faudrait expliquer à vos parents. Ah mais attends. Ah non mais faut aller en haut. Elle a juste à dire c'est mon frère et elle a pas besoin de présenter plus. Cette statue a peut-être survécu à l'absence de frayeur, mais ce n'est pas le cas de leur trêve. Les monuments sont inutiles si leur message est ignoré. Il n'a pas instauré cette trêve par la seule diplomatie. Sa divinité, sa simple présence est ce qui a guéri cette terre, mis à la peur de prendre racine. Il devait savoir ce qui allait se passer. Bien, il avait une bonne raison de partir. Un certain abruti avait convaincu sa sœur d'épouser un fou. Quoi t'as ça? Ah, c'est dans l'autre sens. Dans leur langage, c'est même... C'est pas frère, c'est frayeur, mais c'est encore pire. Ah merde, j'ai pas la bonne arme, bien évidemment.
Tu as dit que les monuments étaient inutiles. Pourquoi restaurer celui-ci? Il est longtemps resté caché. Aujourd'hui, il pourra peut-être leur rafraîchir la mémoire. Rien de mieux pour rappeler un peuple à son histoire qu'un joli bout de marbre bien éclairé. On a plusieurs, mais celui-là, il est rattaché à rien du tout. Autant prendre d'abord ceux qui servent à rien. Ta-da-da-da, ta-da-da. Nous, on fait la construction. En fait, c'est bon, vous avez réfléchi à des idées pour tout à l'heure, l'art du plan. N'oubliez pas hein, les thèmes, ceux qui participent au défi. Étrange. Ces cristaux renferment leur propre lumière. Tu as raison. En temps normal, nous devrions leur apporter la nôtre. Peut-être qu'insérer un cristal de l'autre côté nous aiderait à faire la lumière sur ce mystère. Oh. Ah. Cool. Je suis curieuse. Comment faut-il enlever une lumière pour atteindre ce qu'on veut? Le problème... Ah non, je peux poser où je veux. Tout à l'heure, j'essaie de poser où je veux, ça marche pas, et là, ça marche. Non. Mais vous la voyez, la douille? Tout à l'heure, j'appuie sur rond pour poser au sol, ça veut pas. Là, j'appuie sur rond une autre fois parce que je me dis pas possible, et là, ça marche. Heureusement que je suis têtue et que j'ai réessayé, hein. Elle était où la première? Attends. Ah, celle-là, c'est ça. Du coup, je suis obligée de prendre celle-là. Ouais, après, je t'ai dit, tu mets les années que tu veux, mais... T'inquiète pas, après... Les gens voteront et après ils chercheront un peu. Le but c'est aussi de se donner un défi, de voilà. Ah forcément, il y aura des mois où vous préférez les thèmes. C'est toujours pareil, il y a des mois où vous allez préférer. Et encore, des fois ça arrive qu'on fasse un truc qu'on arrive à faire mieux sur quelque chose qu'on n'avait pas trop envie à la base. Il nous inspirait pas plus que ça et au final... On dirait que l'inscription est à nouveau lisible. Eh ben, ça fait des paillettes. On lit d'abord avant de... Parce que ça ramasse un truc dangereux. En l'honneur de l'éclairé, puisse son présent de lumière briller pour l'éternité. Son présent de lumière. La lumière des cristaux, elle se diffuse dans le sable. Regardez-moi ça. Frayeur est parti, mais son présent subsiste. Ou devrais-je dire, sa présence. Tu n'es pas... Invocation électrique! Voilà! Des lucioles électriques! On devait faire des dégâts électriques, je savais pas comment on faisait. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ah oui. Et forcément, il n'y a plus le pont, vous voyez, on est bloqué. Donc en fait, il faut que je reprenne ça. Ah, je peux plus. Alors, faut que j'enlève lui. Ouais, ça va être ce petit pont qui sert à rien du coup. Alors ça, il y en a dans le 1 des trucs comme ça avec ces cryptos. Alors moi, c'est... Après, en vrai, les puzzles dans God of War,
Il n'y aurait pas de compliqué, ça m'irait très bien. Parce que c'est vrai que j'aime bien quand il y en a un petit peu. Mais des fois, même lorsque ils abusent. Là, la paix était fragile. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Un peu de lumière dans le désert suffit à la faire durer. Avant de rencontrer Faye, je ne pouvais pas imaginer une vie de paix. Après sa mort, lors de notre voyage à Yotunheim, j'ai trouvé la paix par moi-même. Il en va de ma responsabilité de la faire durer. Peut-être les elfes connaîtront-ils un jour à nouveau la paix, même si Freyr n'est plus là pour les guider. Sa présence continue de le faire, qu'ils en soient conscients ou non. Une clé ? Une clé. Elle doit ouvrir quelque une chose quelque part. Une demi-clé. Pas l'autre morceau. Ah. Ils peuvent pas passer là. Là-bas, il y a une fleur. Freya, une fleur. Une aube pruine. J'aime bien la quête des fleurs. C'est pas très compliqué. Tu vois, je t'ai pas vu le pigeon. Quoi ici à part un pigeon? Et une inscription. C'est bizarre, il y a beaucoup de cadavres. Je le sens pas lui. Je sais pas pourquoi, mais vous aussi vous avez une mauvaise. Je sens que je vais lire ça, il y a le truc qui va me sauter dessus. Encore une bête endormie, l'œuvre d'Alvis Pied de Roc. Méthode d'emprisonnement, sommeil de notes. Lieu d'emprisonnement, Alfheim. Date de libération, jamais. Il s'agit d'un troll, aucune réinsertion possible. Vous pouvez toujours utiliser une relique d'éveil si vous tenez à mourir. Oh, génial. Mais je sais, mais je crois qu'on va pouvoir les réveiller par la suite. Et qu'on n'a pas encore. Parce que j'arrête pas de voir ce petit truc là. Et là, il parle vraiment de quelque chose. Si vous tenez à mourir, vous pouvez toujours utiliser une pierre de réveil, mais... On est dans une zone bleue, là. Mais je pense qu'on peut pas encore les faire. Mais ça fait quand même pas mal de boss, parce qu'on a les pierres tombales de Berserker qui font défoncer la gueule, on n'arrive pas. On a les tombes... Enfin, les brèches d'Yggdrasil, pardon, parce que les tombes, c'est ça. Et maintenant, il y aurait ça. On est dans une zone bleue, mais ce qui est bizarre, c'est que ça les affiche pas sur la carte. Et donc j'imagine qu'on peut pas les faire pour le moment, parce que ça s'affiche. Mais si c'est encore plus badass que ce qu'on a en cours. Ah non, dans la zone bleue, c'est par rapport à l'autre. Oh, mais regardez-moi ça là-haut. On devrait ramener ces deux créatures à Vanaheim, ou Midgard. Speki et Svana apprécieraient un peu de compagnie. Nous avons des niches. Ce ne serait pas leur rendre service. Une fois un prédateur habitué à un territoire, il est cruel de l'en éloigner. Tu as sans doute raison. Mais c'est tellement vide ici. C'est paisible. Et elles sont ensemble. C'est suffisant. Elle va pas vouloir foutre la merde dans la nature. Alors, il y a d'autres gravures de Yari et Sommer. J'ai vu, mais d'abord on essaie de faire ça, putain. Voilà un autre ingrédient, mon frère. Mais taisez-vous, je suis en train de faire un truc. Je pensais qu'un jour, moi je suis en train de faire une énigme. Vous laissez Peut-être que c'est trop haut. Enfin, trop éloigné. Peut-être qu'il faudrait plutôt faire là. Ouais, là c'est plus simple. Ouais, ici c'est mieux. Ah !
C'est plus intelligent là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a le coffre déjà. Ah. Mimir, parle-moi de Yara. Ah, une carte au trésor. Après avoir quitté sa famille, il parcourut les royaumes en quête d'une chose innommable. Mais malgré tous ses voyages merveilleux, il n'était jamais satisfait. Jusqu'au jour où il rencontra un autre vagabond cherchant. Est-ce qu'il y en a en cinématique? L'innommable. Il s'appelait Sommer. Allons chercher le dernier ingrédient. Ah non, ça a compté. Ça reste en mode brillant. Ah, l'autre, il est là. Ah. Ouais, je sais qu'ils l'ont déjà platine. Ils ont dû jouer que à ça parce que waouh. Alors, il y a quelqu'un qui me disait qu'il l'avait platine. Oh, regardez-moi toutes ces chauves-souris. Et c'est assez chaud. Comment la voir? Ça va monter. Bah surtout que peut-être que le platine, il doit... T'as la difficulté aussi élevée. Enfin, je sais pas, j'ai pas été voir pour pas me spoil. C'est bon. Ou alors ils sont vraiment bons. Après ça fait quand même un moment qu'il est sorti hein, et que moi je sais, je joue pas souvent mais... Mais rien. GG hein. Mais bon, finir le jeu c'est pas très dur aussi. Souvent finir les jeux, les gens ils disent c'est juste l'histoire principale. Les platines par contre c'est vraiment t'as fait plein de choses. Mais ouais, j'ai géré quand même. La difficulté est pas simple. Frayeur adorait élever des bébés de lui. Je me demande si ces deux-là sont les descendants de ceux qu'il a apportés ici par le passé. Cela expliquerait leur présence dans le désert. Encore un cadeau pour les elfes noirs. J'avoue que des créatures comme ça ici. Les cadeaux. Une pierre tombale. Un berserker nous y attend sûrement. L'entrée pour ça, elle est où? Elle est là. Ah. Ça faisait longtemps. Je change. Waouh. Alors ça... Pas pour là apparemment. Peut-être pour là-bas. Non plus. Je pense pas que ça va toucher. Comment
je fais pour... On est d'accord que ça, c'était le feu, non? Non! C'est pas le feu? Et branche comme ça, c'est le feu, hein? Non! Casse-tête bien chiant. Parce que le feu, je peux pas faire de ricochet. Ah ou alors, faire par en haut. Ah mais c'est chiant. Ça reste pas assez longtemps, hein. T'as pas le temps. Hein. Ok. Ça devrait toucher, je comprends pas. Bordel. Vous voyez comment vous? Parce que ce que je comprends pas, c'est que là le miroir, je peux pas l'utiliser pour saut de droite. À moins que je puisse. Bah non, là c'est pas sur la ligne. Donc pour moi, c'est qu'il faut utiliser ce miroir là d'abord, mais pour ça, il faut que je fasse cramer les lianes. Oui, il y a pas de portée. Le seul moyen, ça serait de... de faire ce que j'ai à faire, mais... de... le jeu, il veut pas me laisser y arriver. Pas. Et là j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver, j'ai tous les éléments, j'ai toutes les armes, enfin de toute façon j'ai tous les emplacements d'armes, donc après je les ai toutes. Mais là le truc il est soit trop à droite, soit trop à gauche, c'est n'importe quoi. Et quand je le mets plus loin, il veut pas non plus faire les autres. Il veut pas faire cela. Ah, ou à moins que je me remette tout par là. Il veut pas. Je comprends pas du tout. Ah ouais, est-ce que si je fais comme ça? Mais normalement, ça c'est un peu de la triche, moi, par rapport au mode triche. Pas avec le mode triche. Des fois, ça marche. J'ai déjà fait. Sans le vouloir, ça a marché. J'en avais tellement marre, j'ai fait tous les trucs de feu et ça avait marché. Et là... je veux pas. Je comprends pas ce truc de merde qui sert à rien. Il va derrière, mais c'est tout. Rien qui vous vient en tête, les chocobos? Comment je pourrais faire pour que ça, ça arrive jusqu'à moi, en fait? J'arrive pas à faire arriver le truc.
a pas le temps. Putain, ça fait chier. Vraiment chier. J'ai pas envie de partir sans avoir réussi ça, je vous le dis, moi. Parce que c'est un truc tout con qu'on peut déjà faire. Mais j'arrive pas à faire cramer ça parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique. Et comme ça... Je fais, refais mon truc de triche. Ça veut pas... Pas... Ceux qui l'ont déjà fait, vous avez pas un indice? Et même le, là, le miroir. Est-ce qu'il faudrait que je sois là-haut? Mais je crois pas qu'on puisse aller là-haut. Ce serait en dehors, mais... Pourquoi il y aurait un miroir là qui marche pas pour ça? Pourquoi je peux pas cramer ces trucs? Comment je fais pour cramer ça? C'est ça que je comprends pas. Vous voyez qu'il faut arriver dans pas. Ça me paraît bizarre vu l'entrée. Et ça, ça pourrait marcher, mais j'ai pas le temps. Allez. Putain, et là j'ai réussi. Non mais c'est vraiment abusé, hein. Ils abusent. Vous avez vu là, le nombre de secondes qu'on a, quoi. Putain, là j'ai fait plein de fois, j'arrivais pas. Là encore une fois, les trucs c'est n'importe quoi. À mon avis, on doit les utiliser ensemble. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, j'en peux plus, là, putain d'énigme. Comment je l'ai ceux-là? Parce que ceux-là ils sont... Ah non! Vas-y comme ça. Est-ce qu'il faut pas être là-bas maintenant que je peux aller là-bas? Si, un coffre. Ah, oh, elle me rend dingue cette énigme. En plus, c'est des trucs super importants. Je vais pas la voir. Comment j'ai ça? Oh bordel! Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir ça? À votre avis, y a rien derrière. Quoi ça sert? Comment on a les trucs? Oh
C'est n'importe quoi, je vous le dis. C'est vraiment abusé. Oh là là. Je comprends pas du tout celle-là. Ah si, y'a un truc derrière. Y'a un coffre. Oh bordel. Pas l'idée les gens. Comment on fait pour... Ça c'est pour aller là. Tiens. Allez, je dénigre, des fois il nous rend chèvre. Surtout que je me souviendrai pas qu'ici il me reste un truc parce qu'il est pas mis sur la carte. Genre y a rien en fait, ça fait partie de tout le reste. C'est pas comme les terriers où tu vois que c'est au terrier qu'il manque un truc. Là, c'est ouvert et si je le fais pas maintenant, on va jamais se souvenir que c'est ici. Je vais jamais le retrouver, on peut pas mettre de marqueur. C'est super chiant ça. Genre si tu pourrais dire bah je le fais plus tard, mais non, parce que tu le retrouveras jamais. Oh. Obligé d'aller voir une soluce. Pour l'avoir. Génie hein. Oh. Je vois pas là. Bah ouais parce que j'ai réussi l'autre, mais à moins que ça serve à rien, tu vois, il faut se mettre là et rappeler sa hache. Oh bordel de merde! C'est quand je fais n'importe quoi que je trouve, bah bravo. Sauf ici, je déteste. J'en ai marre ce jeu. C'est bon, je rentre à la maison! Au bordel! C'est moi la paix avec vos coffres, putain de merde. C'est au pif. Vive le pifomètre. Oh! Ah non, mais il y a des trucs, ils abusent. Ils abusent trop. Alors certes, c'est secondaire, mais ça te donne des trucs pour améliorer ton équipement. Comment ces deux créatures se sont retrouvées attelées au traîneau? As-tu déjà volé à travers une tempête de sable? Freyr a dû apprendre aux elfes noirs comment utiliser les gulons pour labourer les champs. Quand la tempête est arrivée, ils auront troqué la charrue pour un traîneau. Il les élève sûrement pour faciliter les trajets à la surface. Ah, c'est pas Mélouve, on est sur un autre endroit et c'est une autre espèce. Mais c'est pas Svana et... Autre nom. Jamais. Ah, par contre, t'as peut-être pas vu, mais les méduses se sont reproduites. Et on a plein de bébés maintenant. Bon, et là, ça sont décédés parce qu'apparemment, bah, les méduses, quand elles se reproduisent, elles meurent. Elles doivent sûrement utiliser toute leur énergie. Mais par contre, voilà tous les bébés, t'as vu? Et j'ai bien fait de les regarder voler tout à l'heure parce qu'elles ont disparu, du coup. Ouais, j'avoue, le vilain, voilà. Une statue d'elfe blanc dans le désert. C'est étrange. Il nous laisse galérer, c'est voilà. Probablement le sanctuaire dont parlait Yggdrasil à Vanaheim. C'est honteux, c'est absolument honteux. Alors, il y a un truc encore à faire avec une putain de hache.
À mon avis, faut le faire de là-haut. Ouais, c'est pas mal aussi, mais elles vivent pas dans les mêmes milieux. Mais ici, elles ont rien à faire. En fait, c'est des espèces qui ont été importées ici et elles se sont adaptées, ah, mais... un autre poème de Gvasir. Ah, ça fait longtemps les poèmes. J'adore les poèmes. Pourquoi la manette, elle devient rose quand on lit un poème? J'avais pas fait gaffe, elle devient rose quand c'est un poème que je trouve. Ils ont mis des couleurs en fonction de ce que tu fais, c'est trop marrant. Quand tu meurs, ça devient rouge, par contre. Mais là, c'est rose avec le poème. Un poème paisible et mélancolique de Gvasir le Sage. À la fois seul et ensemble, à la fois proche et distant, nos écharpes sont des liens, nos coopérations un art. Exécutés en silence, nous parcourons le désert, en planant comme l'oiseau, en dessinant dans le sable. Elle était sûre qu'il fallait se mettre en hauteur. Pourquoi on peut pas utiliser celui-là? Ah, il faut le brûler. C'est qu'a foutu. Oh putain. Oh putain. Je change. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mal. Gare. Oh, ils sont magnifiques, mais alors qu'est-ce voilà une ouverture. Pas évident. À faire mal. Ok, il voulait pas qu'on lui pique son trésor. Voilà une ouverture. Profites-en. Ouais, on peut le taper qu'à un certain moment. Ah ah. Il est assommé. Il est assommé, mais il est où? Il est dans la terre. Merci les bugs. Ah non, faut détruire, c'est vrai, faut détruire ça. Ah non, c'est pas... Mais attends, mais il est où? Il est assommé quand même dans le sable. Et c'est vrai, il faut détruire les tours. Mais il était dans le sol. Il est assommé. Mais j'aime pas la hache. Oh, c'est comme une merde comme d'hab. Maintenant que j'en ai fait une, c'est maintenant qu'elle me dit ce qu'il faut faire. Attaque!
l'autre. Elle est là. J'arriverai jamais à la voir. Attends. Ah si. Il est où? Bien c'est joué. Bon encore quelques coups. Ah non, encore bon. Quelques coups. Il est où? Ah. C'est un boss comme je les aime. Équilibré. Sachant que le premier j'ai plus galéré parce que le premier je connaissais pas la strat. À la base. Comment je fais pour... Ah bah non. Trop loin. J'ai entendu un putain de piaf. Je sais pas si je suis folle mais... C'est relou. Vous savez que le sort rose c'est le plus chiant en fait. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pareil. Les flèches roses ils aimaient pas du tout. C'est tellement imprécis. C'est vraiment très très chiant à... Je sais pas s'il y en a d'autres qui détestent. En fait, l'idée est très très bonne, mais à exécuter, c'est très très. C'est un peu au millimètre près, vous voyez le truc. C'est... Et du coup, le souci, c'est que souvent, on se dit, bah putain, c'est pas ça qu'il faut faire autre chose. Et en fait, des fois, c'est ça, comme là, vous voyez, j'ai galéré et tout, celui d'avant, pareil. C'est ça qu'il faut faire, mais t'es obligé de t'y reprendre une centaine de fois avant que ça prenne, quoi. Je sais pas si vous voyez le bordel que c'est à chaque fois, mais... Mais l'idée, après, t'es bonne, hein, de faire un truc comme ça, mais... Alors, c'est le sanctuaire elfique, cette quête, on l'a depuis... depuis très très longtemps, mais on pouvait pas aller dans la zone. Mais je le garde pour la fin, on va d'abord aller sur la porte. Je sais plus qui m'a donné la quête tellement ça fait longtemps qu'on l'a en fait. Je me souviens plus du tout. Alors là-haut, il y a un truc sympa. Oh, sympa. Combat. Ah, à moins que ce soit un dragon. Un bébé dragon. Comment on y va? Ah, là, il y a ça. Mais c'est quoi les bleus, là, qu'on trouve? Bonus d'ensemble. Les esquives in extremis renforcent l'attaque suivante de Kratos. C'est quoi? La rage maximale en fonction de sa vitalité. Ça, c'est pas mal, résistance 50% à l'aveuglement des bêtements. Et ça, c'est pour enlever les effets de... En vrai, les trucs qu'on met sont vachement importants, mais Je
faut s'y connaître, quoi. Frappe l'orbe lumineux. Derrière toi, attention. Allez, j'ai besoin de vie. Alors, ça a l'air pas mal sur les elfes. Effectivement. La lance marche bien sur les ailes. Architecture d'elfe blanc, imposante. Là, on a des raccourcis. Même si c'est pas très dur d'aller. Là, on a quoi? Un petit chemin. Mais c'est vrai que niveau recherche, il y en a un paquet. Juste voilà, juste là, un peu moins de difficulté pour. Soit plus appréciable. De toute façon, si les joueurs veulent de la difficulté, il y a la difficulté difficile et il y a la très difficile une fois que t'as fini le jeu. C'est vrai que quand t'es en normal. Un insigne. Un badge d'honneur. T'as envie de leur dire putain, les elfes en ont produit quelques-uns. Un insigne à l'effigie de frères, confectionné et porté par les elfes qui soutenaient le jeune dieu dans sa quête de la paix. À l'apogée de la popularité de frères, ces insignes ornaient la plupart des foyers elfiques et représentaient cette chose si précieuse quand elle est rare et si redoutable lorsqu'elle se répand. L'espoir. 5 sur 6. Ils suspendent devant leur demeure. Une manière de soutenir mon frère. Tu me diras ton avis le jour où tu l'auras. Arrête si tu l'as. Le mode équilibré qui. Ah non, c'est pas un. C'est un combat. Mais putain, ils sont deux en plus. Une mise à mort. R3 jaune, ça veut dire que ça va lui faire des dégâts, mais ça va pas le tuer. J'ai appuyé sur R3, ça a pas fait. Ça a fait une jaune au lieu d'une rouge. J'en ai marre de ce putain de jeu quand il m'arnaque. J'aurais pu crever à cause de ça, quoi. Oh bordel. Pierre tombe à une, sanctuaire elfique qu'il faut faire. Porte du désert, c'est la quête. Corbeau d'Onda, il y en a deux. Artefact connaît. Oh putain, il y en a un paquet. Oasis. Mais à toi, comment vas-tu? Lala. Hello. Oasis is good, c'est pas la pub? Quelque chose approche et ce quelque chose n'est pas content. Non mais ça va pas, quoi! Un dragon, non mais je
juste ça. T'as pas le droit de me sortir des trucs comme ça, moi j'ouvre une porte tranquille. Et ben, j'ai pas de vie. Ça a l'air d'être un dragon électrique, il a du jaune. Comment savoir? Tu regardes les couleurs. Ah, il y a un coup de queue, j'ai esquivé pourtant. Oh putain! Ah oh, mais comment t'es censé esquiver ça? J'ai appuyé sur esquive mais il était tellement près de moi que... Non tu crois? Il a pas remarqué qu'il était juste devant moi. J'ai pas de vie. Alors là, elle a une attaque électrique, je suis pas sûr que ça lui fasse grand chose. Hein. C'est pas grave. On le fait quand même, ça fait des paillettes. Il est magnifique par contre. Hein. Mais Et j'adore la musique. C'est moi, c'est moi. Je veux de la vie, donnez-moi de la vie, la vie. Ouais bah merci qui va charger, je fais quoi moi? Fais du tricot. Ah attends. Sois gentil, gentil petit toutou, gentil toutou, gentil. Non ça c'est pas gentil. Il me reste un PV. Un PV. Et quand je dis un PV, c'est un PV. Moi je sais pas si j'ai les pierres de Rez alors. C'est pour ça que je suis en mode super attention. Il est beau hein. Mais moi j'ouvrirai plus les portes comme ça là. Si vous me mettez des cadeaux. Putain, Lionette, comment vas-tu? Et merci Badasta pour le raid. Comment ça va? Ça a été ton stream. Désolé, il y a un gros boss qui sort de nulle part. Faut jamais ouvrir les portes. Jamais. J'ai un point de vie, mais vraiment un point de vie. Pourvu que j'ai une pierre de reste au cas où. Et comme elle apprend pas l'aggro, on va la laisser. On va la laisser balancer des flèches. Allez, prends ça. Oh non! Quoi? Quoi j'ai fait ça? Je sais pas. On tape, on sait pas comment on a fait ça. Merci Captain Obvious. Je n'en sais pas plus que toi. Un bordel avec un point de vie. J'ai un point de vie depuis les trois quarts de sa vie. Hein. Mon cœur balance. Dans tous les cas, c'est terminé. Ça a failli être terminé pour nous, moi je te le dis. Ah, ce dragon s'est trouvé dans le désert. Ouais, bah oui. Ah là là. Ne pose pas de questions, tape. Oh bordel. C'est sur quoi Balasta? C'était ton stream. C'est quoi comme enchantement? Ah, un bleu. Où j'ai les trois? La vie, à de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il foutait derrière cette porte? Il était coincé là-dedans?
Moi j'ai trouvé une porte. Baguette magique brisée du messager. J'ai trouvé une baguette magique. C'est la baguette d'Harry. Bon bah voilà. T'as réussi à avoir tes armes d'or ou t'y es pas encore? Quand tu faisais tes niveaux, c'est ça. Hey game, merci pour le follow, bienvenue. Oh là, j'ai jamais autant j'arrivais plus à respirer quoi. T'es en mode putain là, si tu loupes un truc, t'es morte quoi. Oh là 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 là. Même pas dans quoi ils mettent. Ona, qu'est-ce que tu... Toi, t'arrives après la guerre. Tu peux pas manger du dragon. Coffre légendaire, le coffre des Nornes. Connaissance, il y en a un paquet. Corbeau. Mais tout à l'heure, corbeau, j'ai cru qu'on en avait entendu un, mais... Mais ça, en fait, c'était la quête. C'est la porte du désert. Il y a ça à faire. Et ça, je sais pas si on est hâté. Mais les corbeaux, je sens qu'ils sont vraiment en mode... Bah disons que... Il y a certains trucs, c'est un peu bizarre. Genre moi j'ai choisi la difficulté équilibrée. Et pour le moment tout était nickel. Et d'un coup t'as des quêtes où les ennemis... Enfin te mettent la misère sans raison. Ah oui, ça on l'avait fait. C'est un peu ça, je suis un peu déçu parce que c'est vrai que si on veut jouer en difficile, on met en difficile. Au début c'était plutôt bien équilibré et d'un coup tu sais pas pourquoi il te balance des trucs super bien. Là le dragon il était bien, il était bien. Mais il y a des trucs genre les tombes pour le moment je les fais pas. C'est terrier, ouais c'est terrier. Les tombes pour le moment je les fais pas, c'est juste de l'énervement en fait. Et moi j'avoue que pas pour la difficulté, peut-être si j'aime, là il y en a un, si j'aime je ferai un new game plus difficile, mais quand je vois la difficulté là ça me donne plus envie d'un coup. D'un coup j'ai changé d'avis quoi. Peut-être celui qu'on a entendu tout à l'heure du coup. On était pas loin tout à l'heure quand j'ai pu entendre un corbeau. On va aller là. Cette quête, on l'a depuis le début du jeu, mais on pouvait pas aller à cet endroit avant. Enfin. Bon, du coup, on n'a pas avancé sur la quête principale encore hein, aujourd'hui. En même temps, comment elles sont géniales les quêtes secondaires. Il y a eu un léger incident ici, je crois. Poème de Gvasir ? Un bijou. Hein ? Mets-le sur une de mes cornes. Je suis sûr qu'il m'ira à ravir. Une bien jolie pièce de joaillerie, confectionnée par un elfe blanc partisan de frère. Ce semble être un bracelet dont la taille a été manuellement adaptée à celle du poignet de frère, ce qui pose une question. Pourquoi l'a-t-il jeté ? Frère était-il à ce point couvert de présents et de bijoux qu'il ne lui a trouvé aucune place ? Ou l'a-t-il porté un temps avant de s'en débarrasser de colère, de honte ou d'un mélange des deux ? Est-ce qu'il est revenu en hâte à Vanheim afin d'empêcher le mariage de Freya ? Autre question là, Mimir. Non. La dernière offrande faite à mon frère. Préfères-tu que nous les gardions ? Faites comme bon vous semble. Si Freyr n'a pas pris la peine de les emporter en quittant Alfheim, il ne nous en voudrait pas de les vendre aux nains. Ah ! Argent ! Ah moi toujours, je fais toujours les quêtes secondaires en principal. Sauf si vraiment je vois, voilà, il y a des trucs c'est pas possible pour le moment. Je vais attendre d'avoir un meilleur équipement. Ah, et puis au prix des jeux PS, faut quand même un peu contre les rusher quoi. Moi je dis les gens qui rushent, y'a pas de soucis mais les achetez pas en prix fort quoi. Attendez qu'ils soient en prompt. Ça fait un peu cher. Voilà derrière. Oui, c'est pas un dragon. Moi j'ouvre des portes, il y a des trucs qui me sautent dessus. Moi. Une
bibliothèque elfique. Ah, une bibliothèque. Tant de savoir archivé. Ça va. Aucun signe des elfes blancs. C'est joli ça. Peut-être sont-ils sortis pour la journée et que nous pouvons explorer à notre guise. Ah ouais ouais, ils vont nous sauter dessus. Ah, une connaissance. Regarde. Règle du sanctuaire. Tous les visiteurs doivent observer un silence absolu à l'intérieur. Ouais, 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 c'est... Nul n'est autorisé à emporter un ouvrage hors de la bibliothèque. Tout contrevenant sera puni de mort. Toute transcription des documents est expressément interdite. Les dommages causés aux documents de la bibliothèque ne saurait être toléré, même accidentel. Les victuailles, libations et liquides en tout genre sont interdits. Les visiteurs doivent se manifester auprès de l'archiviste en service avant de quitter la bibliothèque. Le manquement à l'une de ces règles entraînera une sanction immédiate. Ah, on va mourir. On va se faire tuer, je viens de casser des pots. J'ai cassé des pots. Oh. Un autre des schémas de Dvalin. Tu as parlé de sa conscience. Oui. Il a compris que les As utiliseraient ses puissantes armes pour éliminer ses semblables. Alors il a arraché les pages de ses créations et les a dispersées. Qu'est-il devenu ? Hélas, le père de tout l'a su, et ça ne lui a pas beaucoup plu. Il tue tout le monde, lui, c'est pas possible. Coucou Supercana, comment ça va depuis le temps ? Coucou Turkan, bienvenue à toi. Alors je n'en sais rien, Turkan, et je veux pas le savoir. Pas de bac, c'est tout. Désolé, t'auras pas la réponse ici. Savoir. Pas me le dire. Bah tranquillou, tranquillou. Avance doucement, doucement. Ces textes seuls ne suffiront pas à mettre fin à leur guerre. Mais en limiter l'accès ne peut servir que ceux qui souhaitent la faire durer. Ça ressemble aux méthodes de Odin. Oui, ce qui avantage sacrément les elfes blancs. Il y en a partout ici, c'est cool. Ah, carte au trésor. Les personnes qui ont bâti cette tour ont donné tout ce qu'elles avaient pour l'achever. Cela les a-t-elle menées, sous terre. J'ai failli en faire partie, plus jamais je laisse ce trésor en espérant qu'il reviendra à qui en a besoin et qu'il lui rappelle au passage sa propre valeur. Aucune tour aussi grande soit-elle ne vaut une vie. Et devant une... Oh, une... Grande amulette. Là, il a l'air important. On a du consul. Rien que ça. Ce livre est scellé, mais il y a une inscription. Bigvir a mentionné un exilé du même nom. Il aimerait certainement jeter un coup d'œil à ce texte. Et voilà. Et là, ça va nous sauter dessus parce qu'on pille tout. Ah. Tout le savoir de leurs ancêtres. Leur histoire commune, leur poésie. À l'abandon. Nous sommes les gardiens de la vérité, les arbitres du savoir. Nous sommes les protecteurs de ces archives de connaissances remontant à nos premiers écrits et que seuls les sables précèdent. Pardon. Préservons nos enseignements elfiques et empêchons qu'ils parviennent à ceux qui ne pourraient entendre la sagesse que renferment ces murs. Il en va de... notre devoir sacré. Il serait vain de se fier aux masses ignorantes, vain d'espérer qu'elles assimilent ces vérités. Elle ne possède pas la force intellectuelle d'absorber et d'accepter la nature clivante de certaines révélations. Cette dissimulation n'implique nulle cruauté, nulle volonté de contrôle. Il s'agit simplement de miséricorde, ne l'oubliez jamais. Hein. Oh. J'avoue quel gâchis. Non, on se fait pas attaquer. C'est étrange. C'est étrange. Non, toujours pas. Je m'attends toujours à me faire attaquer. Toujours pas d'attaque. Ah bah voilà. Ah, je crois bien que l'archiviste souhaite nous parler. Parce qu'on vole des choses.
Lata Framborg. J'avais dit. On dirait qu'elle veut récupérer ce journal. Non. Coup de bouclier. Et merci, je sais ce que ça veut dire, le bleu. Oh, oh putain. Oh la vache. Elle en a combien des trucs comme ça? Oh la vache. Non. J'espère que j'ai une pierre de reste, sinon tu es là. Je hais les elfes. Je suis pas morte. Elle était trop loin pour que. Elle était trop loin pour que j'annule son attaque bleue. Je pouvais pas la toucher avec mon bouclier. Oh la vache. Mais elle est où ma lance? Mais j'ai vu ma lance. Ma lance qui disparaît comme ça. C'est pas ma hache, elle peut pas s'en aller. Coup de bouclier, maintenant. J'ai essayé de taper, j'avais plus d'armes. Va bien dans ce monde. Et Obi-Wan Kenobi, tu te calmes, hein. On dirait trop... foutu là, elle est trop forte. Elle est super badass. Je déteste les elfes en plus, vous le savez donc. En plusieurs. Je les trouve trop forts les elfes moi. Depuis le God of War premier du nom. Enfin l'ancien. Ah et puis on n'a pas le choix. Hein. On est obligé. On est bloqué, on est obligé là. C'est les boss où t'as pas le choix. C'est les trucs infâmes qu'on déteste. T'arrives, tu prends 3 trucs dans la gueule, tu peux pas bouger. C'est génial. Utilise ton bouclier, mon frère. Merci, je sais qu'il va l'utiliser, je suis à 3 km. Oh bordel. Il nous sort du rouge d'un coup, tu sais pas tout ça. Ça. Oh, là, tu fais du rouge et que t'es collé à elle. Et là, c'est du bleu, mais je suis trop loin. Si je suis trop près, je peux pas éviter le rouge. Je suis trop loin, je peux pas éviter le bleu. Elle a abusé là. Je suis sur une quête obligatoire, connasse. Voilà, trop loin. Et je peux pas utiliser mon bouclier. Quand je prends un coup, je peux pas l'utiliser. Impossible que tu veuilles esquiver ça comment? Oh l'enfer! L'enfer sur terre. C'est un truc là, c'est comme le. C'est comme ma hache, ça se met derrière moi alors. Oh là là. On va en chier les amis, on va en chier. L'ennemi se soigne. Crève. Léos Alpha. Lord. Megivit. Helga Brontina. Elle pense les protéger en leur dissimulant tout ce savoir. Notre allié veut lire ce journal. Nous emportons le livre. C'est bon? Tu me mets un coup dans le dos. J'étais à l'œil. Il tourne pas le dos. Je suis impressionnée. J'ai bien cru que tu allais l'achever.
Moi aussi. La dernière fois que nous sommes venus ici, après la mort de Faye, j'ai tué un elfe très important. Les conséquences ont été désastreuses pour mon peuple. Je ne veux pas reproduire cette erreur. Eh ben, putain de merde! À côté, le dragon, il était mignon. Jel, comment ça va? Ça a été ta matinée? Et il y a un coffre. Trésor enfui. Corbeau d'Odin. Carton. Le coffre des Nantes pour le louper quand même. J'ai encore le trésor, c'est normal, on vient de l'avoir. Corbeau. Je crois que t'étais mort sur ton jeu, je comprenais pas. J'allais dire moi aussi j'ai failli crever là, putain. Et ça on l'a passé. Et un dragon plus un gros boss derrière encore. Je dois trouver une putain de tour, alors. Ça ressemble à une tour. Ah mais y'a ça là. J'avais pas tous pris. Peut-être cette tour là. Ça me paraît pas mal comme tour. Il y en a une autre là-bas je crois. Alors j'ai raccourci. Et ouais, et j'ai trouvé la carte au trésor. Forcément le dragon est à côté hein. Par contre le coffre et le corbeau Et trois... Il y en a quatre. Ah, il y en a quatre. Corbeau, je les ai pas. De toute façon, on reviendra pour les trucs. Encore le corbeau, ça m'étonne pas. Et là, on a été le moins, c'était à. Et au centre. Peut-être que c'est au centre. Il y a des petits, trucs un peu, voilà, comme je dis, la difficulté mal, à un moment, mal faite par rapport à ce qu'on a choisi au début du jeu, mais à part ça, ouais, franchement, c'est vraiment génial. Enfin, je vais voir un forgeron, mais on va aller au forgeron, parce que je vais pas lancer la quête principale aujourd'hui. On va aller au truc des corbeaux, il y a un... Il y a Brock. Et on a fait un creuset. Hein. On va essayer d'en faire un à chaque stream parce qu'ils sont vraiment casse-couilles. Non, j'ai failli réussir, mais raconter quelque chose, j'ai pas compris. Mais la prochaine fois, on fera la quête principale. Je te prends les figurines elfes. À mon avis, il y aura une engueulade entre les deux frères, comme Brock vient d'apprendre qu'il était mort par la sirène. Enfin, par la sirène, à cause de la sirène. Qu'est-ce qu'il te faut ? Pourquoi il y a un truc comme ça ? Pourquoi y a... on peut la vendre alors que c'est un truc. Oh ! Conception elfique, hein? J'ai toujours aimé leur style.
tout en courbe. C'est pour une quête. Tous les jours qu'on voit une beauté qu'il faut pareille le vendre. Sortir. Je vais regarder la quête après. Objets spéciaux. Quoi ça? Hop, le sol pour générer. Style égal truc, ça c'est parce qu'ils ont dans le collage. L'héritage de Dain, aussi toxique que l'homme. Ah, c'était lui-même. Manié par le roi Ogni. Le flot de l'angoisse, nom d'une pipe. Non, d'une pipe en bois. Ah, il me faut une pierre de résurrection, ça va me coûter. Voilà. J'ai 6000 balles, la moitié vient de partir dans ça. Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière des bois? Rien. Le balèze? Eh ben, quand tu veux. Attends, je vais d'abord regarder mes... Oh, le bug. M'énerve. Quoi d'affiné? Le bleu aussi j'aime bien. Je suis resté sur celui-là niveau. Ah ouais, je peux mettre. Mais non, mais je préfère ça. Ah, c'est ça, c'est ces missiles, les trucs que je viens de faire. Le poison, ça. C'est vrai que c'est bien pour faire les trucs des bravo on va dire, mais bon. Il me met un truc. Ah, j'avais pas pris celle-là. Quoi? C'est quoi ça? Modificateur de compétences débloqué. Les marques de modification amplifient un aspect d'une compétence. Sélectionnez une compétence. Débloquer les marques de modification d'une compétence avec de l'XP. Vous pouvez changer à la volonté les marques débloquées d'une compétence. Wouah, c'est parce que j'ai fait or dans les travaux, c'est ça? Bah, le gameplay est identique que le précédent. Donc si t'as aimé le précédent au niveau gameplay, t'aimeras celui-là, ouais. C'est pour faire plus de dégâts. Ça augmente les dégâts de brûlure. Augmente nettement la charge d'immolation. Putain, c'est nouveau, il n'y avait pas sur l'ancien. Ça, je comprenais pas, mais je me disais j'ai toutes les compétences. Alors la hache. De la flamme. Ah mais c'est des nouveaux trucs, mais il me faut des cendres divines. Ok.
Et ce qui est bien, c'est que je suis allée voir dans mon truc. Ah mais non, mais en fait, elles sont... je les ai pas créées du tout. Elles sont direct niveau 6. Parce que je me dis, mais attends, je viens d'aller voir dans mon inventaire, je les avais pas. C'est pour les fabriquer. Mais elles commencent direct niveau 6. Il n'y a pas niveau 5, je vois pas là, niveau 5. Pas joli, le talon de là. Pas très beau, non. De qui nous montre ces trucs. Hein. Oh là là, il a du mal. Hein. Une ronde d'absorption. Pas mal. Le rond d'absorption est joli. Ouais, moi, il faut que ça soit joli. Et pour Dame Freya? Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai monté ça au max. Je pourrais déjà améliorer ça, mais j'ai peur d'avoir par la suite une épée et d'avoir gâché le truc. Et... Tu as fait ton choix. Que je préfère... Alors, tu as fait ton choix. Ne pas toucher pour le moment. Et je rembourse pas. Par contre, je me pose la question... La quête principale. Ça, c'est les services. Le creuset, ok. Cueillir des fleurs. Vaincre les âmes, ok, on n'a pas commencé parce qu'on n'y arrive pas. On les a pas rapportés, mais on en a capturé 3 de bébés dragons. À 4. Et le melon nain. Ah! Bravo. Je suis un peu emmerdée parce que je dois le vendre. En fait, j'ai découvert le livre, mais... Je dois vraiment le vendre. Qu'est-ce que ce sera? Parce qu'il est dans vendre. Porter des artefacts pour... Parce que comme il y a le logo de quête secondaire... Je suis un peu... C'est bizarre, non? Faut le vendre ou pas, les gens? J'ai pas trouvé la quête, alors... Je trouve ça assez étrange de vendre une quête. Mais théoriquement, le jeu il devrait bloquer s'il y a un souci avec, non? J'ose alors, pas, du coup. C'est bien. J'ai trop peur que ça fasse une connerie et après on peut pas réparer. Et après on est foutu, quoi. Ça serait horrible. Ça m'inquiète vraiment. L'avant ou pas? Oh le bordel. Là, c'est étrange, hein. J'ai mis l'objet. Ah bah moi aussi, je m'en souviens, Red. Je m'en souviens. Ah, c'est l'adolescence. Mais comme c'est donné aux nains, peut-être que c'est la manière de leur donner. Ils sont là en mode, waouh, trop bien, tu m'as donné ça, c'est trop cool. Putain. C'est des nains. Je vois pas à qui j'aurais pu le donner parce que sur la porte, j'ai pas cru voir... Ou alors, attendez, je vais regarder sur les portes. Il y a des nouvelles donc, quêtes. Tu voulais rien, en fait. C'est toi, Brock. Sur les...
Il y a le creuset, enquête secondaire, Midgard. Non, mais il y a rien de. Il y a pas d'autre quête, tu vois, secondaire. Je pense qu'il faut vraiment le. Hey, coucou Luxy, bon matin, comment ça va? Si c'est pas mes deux dieux préférés. Je crois que tes compétences. Ah, bah il y a un moment où il est très négatif. Ouais. Allons-y! Ah, c'est sa mauvaise passe. Bon, on va le faire. Peut-on ouvrir ce verrou sans endommager le livre? Les elfes du camp de Frayeur aimeraient le lire. Il n'y a pas un seul verrou qui résiste à Brock. Je vais t'ouvrir ça bien comme il faut. Oh, Lunda bon, te passe le bon. Bonjour pendant que j'y pense. Ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas l'air d'avoir un nouveau truc. Je sais pas. Kratos, madame. Brock. Il était temps que je m'occupe. Ah, améliorable. Qu'est-ce que ce sera? Ah bah ouais, les mondes sont plutôt... Ouais, y'a de quoi faire. Mais... de quoi... Bon bah, on verra bien, sinon tant pis, hein, j'aurais fait une merde dans le jeu. On aura fait... Shaki aurait encore tout cassé, comme d'hab, hein. Ça je sais pas. Comme d'habitude. Du coup, prochaine session God of War, quel jour, quel jour? Pas vendredi? Regardez. Encore le souci, comme je vous ai dit, j'ai encore le bug d'hier qui est revenu et j'ai sorte que du relié. Et c'est bizarre parce que ça touche plein de trucs, alors j'arrive pas à savoir ça vient de quoi. Ouais, vendredi. Vendredi la suite, et là on ira sur la quête principale. Et là on va aller en stream art. Les dessins des participants du défi de ce mois-ci, puis voter pour le nouveau défi du mois de décembre. J'espère que les artistes vous aient un thème et j'espère qu'il y aura du monde pour voter. J'espère, j'espère. Bah c'est pas qui m'a empêché de jouer à Bloodhound, c'est que c'est un autre truc. C'est pas lié à Bloodhound, c'est t'sais, un message d'erreur qui pop. Et ouais, il est revenu. Et en fait, bah hier je tapais ce que c'était le message d'erreur, elle me disait que c'était le stream deck. Hier après, elle me dit qu'il y a plein de trucs qui sont installés, ça s'est remis propre, et là, bah ça me l'a refait ce matin. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur internet, ils disent que c'est le stream deck, puis mais c'est relié, ça me fait des conneries sur Discord, et ça me fait des conneries sur les extensions Google. Alors du coup, je sais pas si c'est lié à quoi. Quoi ? Je sais pas si c'est relié à une extension Google, si c'est relié à... J'arrive pas à trouver le truc. Et hier, c'était réparé, tu vois, j'ai redémarré le PC, et là, ça me l'a refait ce matin.
Pourtant, j'ai ouvert les mêmes choses, hein. J'ai rouvert tous les mêmes trucs hier après, mais je rouvre tout à chaque fois que j'ai un souci comme ça pour voir. Donc je sais pas si... Je sais pas. Je sais vraiment pas c'est lié à quoi, donc faut que je regarde cet après-midi. Encore, mais ça me fait chier, quoi. C'est bizarre parce que j'avais réglé le problème et ça l'est à nouveau, quoi. Et c'est pas bon du tout, ça m'inquiète un peu. Donc ouais. C'est pour ça que des fois il y a le ting qui apparaît. Là ça va parce que je suis sur le troisième écran, donc j'ai pas besoin de faire ok, tu vois. Et puis après en arc, j'aurais pas besoin. Et autrement ça se met à un endroit trop chiant. Ah tranquillou et toi Loxy. Et tranquillou. Plus intéressant que le précédent, non, parce que ça se suit. En fait, ils ne font qu'un au final les deux. Juste que bah il y a des choses qu'ils ont fait sur le précédent, ils n'avaient pas besoin de les refaire sur celui-ci, comme le gameplay par exemple. Et du coup, ils ont pu travailler tout le temps qu'ils ont mis à faire ça sur le précédent opus, ils l'ont mis sur autre chose. Ça, c'est comme les mémos. Au début, sur un mémo, au début, ils travaillent tellement sur les combats, tout ça, que les petits détails, des fois, ça revient avec les premières extensions et deuxième extension, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas travaillé tout ça vu que c'est déjà fait. Et là, ça fait un peu pareil. Du coup, ils ont pu plus travailler dans les créatures, dans... Après, les graphismes mieux, c'est normal aussi. Moi, personnellement, j'ai fait l'autre God of War sur PS4, donc oui, sur PS5, je trouve plus beau, mais c'est logique. Encore heureux, sinon ça voudrait dire qu'il y a un problème. Donc, c'est une continuité, moi, plus. Je trouve pas meilleur, je trouve qu'il est dans la continuité. Mais il est excellent, hein. Le précédent était déjà excellent. Vraiment qu'il est dans la continuité. Du coup, petite pause boisson, café, tout ce que vous voulez. J'arrive tout de suite. Merci à ceux qui restent avec nous, peu importe le jeu ou ce que je fais. Là, on va aller en art pour le Road to Partner. Merci à vous. Et tu vois, là, le stream deck, il marche nickel, Red. Je sais vraiment pas de quoi ça vient. Et bah j'arrive tout de suite, je dois installer la cam et tout, et prendre ça et tout. On va voter pour le thème et peut-être que je vais peut-être commencer directement sur le thème du mois. Pourquoi ? Parce que je vais bientôt faire le DIY de Noël. Ah mais on parle pas de ça là en bug. Apparemment que tu parles d'autre chose. Je parle d'un souci que j'ai de PC depuis hier. Petite pause de boisson. Et je vous mets je vais pouvoir remettre tous les alertes. Alors attendez. Je vais pouvoir remettre les alertes, les Pokémon et la neige. Hop hop. C'est pour là. J'espère que vous avez préparé vos thèmes, les artistes. A tout de suite, et merci à ceux qui restent avec nous. Et merci à ceux qui laissent tourner avec un petit peu de son. Bien quand ils peuvent être avec nous. Et à vous. A tout de suite.